Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le stream. En tout cas, bah déjà, merci d'avoir follow. Je te shoot 6788, tu viens de follow à l'instant. Merci Eros aussi. On va jouer aujourd'hui. Salut Xorb du 86. On va jouer aujourd'hui à Vigor sur Nintendo Switch. Enfin, jouer, c'est un bien gros mot. Il va falloir d'abord que la bêta se lance. Donc, le jeu est en bêta fermée en ce moment même. En tout cas, c'est censé être lancé depuis 17h. Je suppose que voilà, ils ont un peu de mal à lancer les serveurs, ce qui est logique. Vigor, pour info, est un jeu d'action en ligne gratuit, donc il sera gratuit à la sortie. Sorti sur Xbox One à l'origine et sur Switch bientôt. Normalement ce mois-ci ou le mois prochain, je ne sais plus quand est-ce qu'il sort officiellement. C'est un jeu de survie en ligne situé en Norvège, une Norvège un peu post-apocalyptique même carrément. Le but c'est de rester en vie et créer un abri qui nous protégera contre les environnements assez rudes. Les joueurs doivent chercher équipement, etc., etc. C'est une sorte de battle royale en restreint, j'ai envie de dire, avec un côté très survie. Hello Dams! Ah ça y est, c'est bon pour toi? Alors attends, hop, je vais mettre la caméra sur le jeu aussi. N'oubliez pas d'utiliser l'émote. Alors si je la retrouve dans mon truc... Ah, je retrouve pas mon émote. Et voilà, la fameuse émote. J'avais mis des petits badges pas très beaux, faudrait que je passe par un vrai designer un de ces jours. Alors je dis BR, c'est pas vraiment BR, c'est le style BR, c'est-à-dire que là ça se joue quoi à 12 joueurs pour le coup, donc c'est pas vraiment Battle Royale, mais c'est dans l'idée de la survie en récupérant l'équipement, etc. Pour résumer un peu. Salut Okairi France, bienvenue à toi. Bon, alors on va voir si ça se lance, hein, parce qu'à part... Alors d'après Je te shoot, ça y est, ça s'est lancé, mais ici ça ne veut pas se lancer pour l'instant. J'ai redémarré le jeu déjà, alors est-ce qu'il y a vraiment trop de monde, ce qui est possible, parce que je pense qu'ils ont été relativement généreux sur les clés. J'ai l'impression que la caméra est pas du tout droite. Alors, vu qu'on a le temps un petit peu, hein, je vais essayer de régler ça, écoutez. Hop. Webcam. Comment je fais déjà pour... Ok, c'est ça que je voulais faire. C'est bon ou pas? Ah, c'est un peu trop là. Non, bah non, du coup, c'est parce que c'est dans l'autre sens que je voulais faire. T'es un peu con, mon petit Ben. T'es un petit peu con-con. Je n'y arrive pas du tout, évidemment. Alors, attendez. Ça va être le premier défi de la soirée là. Enfin de la soirée, de la fin d'après-midi. Réussir à mettre ma webcam correctement. Et c'est déjà pas gagné. C'est toujours pas bon, hein, il me semble. Ah, mais attendez, je suis en train de... Qu'est-ce que je fais? C'est très bizarre quand même, hein, tout ce bordel que je suis en train de faire là. Salut, moi j'ai deux bêtas fermées, je suis en train de télécharger. Ouais. Bravo. Bah ouais, on a aussi deux bêtas, mais j'ai filé le code à Romain qui jouera avec nous mercredi, je pense. Hop, du coup ça fait bah du coup j'en ai qu'une pour moi. Je voulais en faire gagner une mais je me suis dit autant en profiter pour faire un live à plusieurs, ça sera rigolo. Tu es déçu. T'as déjà commencé à jouer là? T'es déjà déçu? C'est triste, c'est dommage. Ça va pas se lancer pour l'instant, hein. C'est pas très rapide. Genre t'es déjà déçu, t'as seulement lancé le jeu. T'es déjà déçu, mais t'es fort. T'es vraiment fort. Échec de connexion. Ah, il va être bien ce live. Bon, on va discuter entre nous, hein. Salut Bartabas. Comment vas-tu? J'espère que tu vas très bien. Que tout se passe bien pour toi actuellement. Relance le jeu. Bah, j'ai déjà relancé. Attends, je vais essayer de le relancer. Pour l'instant, ça va être un live try. Try de lance bêta. Ce qui ne veut rien dire, mais c'est pas grave. Eh ben si c'est nickel pour moi aussi. Mon cher Bartabas. Bartabas, c'est drôle ça, Bartabas. Je sais pas s'il y a un rapport avec le bar tabac, mais en tout cas ça me fait rire. C'est plutôt drôle. Go Animal Crossing, ça va finir en Animal Crossing cette histoire. Non, peut-être pas quand même. Je sais pas si j'ai des... Ah, j'ai toujours ce... Non, ce jeu c'est pour rigoler à deux. Oh, sinon j'ai bien d'autres jeux, je vais bien pouvoir lancer un autre jeu pour rigoler. Mais bon, c'est dommage quoi, je voulais faire un live spécial pour la bêta. C'est quand même con de pas pouvoir le faire. J'aime beaucoup le jeu en tout cas. Ouais, bah écoute, j'aime beaucoup aussi pour l'instant. Le chargement est très joli. Très très beau chargement. En fait, le... Bah, du coup, je vais pas le montrer, mais en bas à droite, il y avait un petit logo de chargement. Même ça, c'était déjà flou. J'ai un peu peur du coup. Allez, Bioman Interactive, tu peux le faire. Tu peux nous permettre de jouer. Please. Ils font pas un petit tweet là, Bohemia Interactive, en mode on lance la bêta du jeu. Attention, ça galère. Ah non, non, pas du tout. J'ai l'impression que Bohemia Interactive s'en battent les steaks de leur jeu. Ce sera le compte Vigor de Game qu'il va falloir aller suivre, je pense.
Et encore même là, non, même là, ils s'en battent les steaks. C'est dommage. C'est bien dommage. Les graphismes sont bofs. Ouais, je me doute bien que ça va pas être ouf du tout. Vu le jeu que c'est à la base, je m'en doute bien, quoi. Je me fais pas trop d'illusions à ce niveau-là. J'ai passé 48 heures à essayer la bêta de Temtem, c'était juste impossible, ça aurait été crash. Ah merde. Ah, donc si déjà Temtem... Oh, tu me diras, Temtem a peut-être plus de succès que Vigor. Ah là là, ça va finir en drift, cette histoire. Ça marche bien pour l'instant. Ça marche bien. Toum, 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 toum. Après, c'est un jeu Switch gratuit, niveau graphique, tu peux pas trop en demander. Ah, ça dépend. Warface, c'est pas si dégueulasse. Bon, il est pas non plus génial, mais il est propre, moi. Kaylee aime jouer à Pokémon. Mais non. J'ai pas envie de jouer à Pokémon, moi. Alors, on va passer en racontage de vie. Qu'est-ce que vous avez fait de votre journée? Moi, j'ai travaillé aujourd'hui. J'ai repris le télétravail, là, depuis mardi. J'étais en arrêt pendant 3 semaines. J'ai repris le télétravail, du coup, je travaille de chez moi. C'est fou, parce que je suis beaucoup plus concentré en étant chez moi. Qu'en étant au travail directement. Je sais pas pourquoi. En tout cas, je suis à fond dans mon boulot. C'est cool. C'est cool, les journées passent plus vite. Je parlais de la place de Temtem. Ok, autant pour moi. Je te shoot, j'ai bossé. Tu travailles dans quoi, je te shoot? J'espère que tu ne travailles pas dans les serveurs de bêta sur Switch, parce que sinon je t'engueulerai. Ouais, galère de ouf. Hein. Ça galère de fou. Hello Lato! Lato, tu viens pour voir ce live de connexion serveur. Enfin, d'échec de connexion serveur, du coup. Ah là, ça va pas être facile, tout ça. Vigor the game. Je vais tweeter en français, ils vont rien comprendre. Déjà que quand je parle en anglais avec le compte Twitch actuel, les éditeurs généralement s'en battent les steaks. Alors en plus, si je parle en français, ils vont vraiment s'en foutre. Travaille chez Ubisoft, sérieux, c'est cool. Tu fais quoi chez Ubisoft? Et chez lequel de Ubisoft, du coup? Ça bug. Mais c'est pas que ça bug, en fait, Lato, c'est que ça ne se lance pas du tout. Enfin, c'est même pas un... Ouais, si, c'est un bug, mais en fait, c'est vu que la bêta est sortie à 17h, je pense qu'ils sont en train de se chier dessus, les pauvres, pour lancer correctement la bêta. Ce que je comprends totalement. C'est juste que, du coup, ça fait chier, parce que je voulais jouer en live, moi. J'ai regardé la vidéo de... je fais les voix. Ah, cool, sérieux. Pas mal. Pas mal, pas mal. Je regardais des vidéos de ACNH sur Twitter en jalousant tout le monde car j'ai pas accès à ma console depuis le confinement. Ah merde, sérieux, comment ça se fait que t'aies pas accès à ta console? Salut Myop, bienvenue. Bienvenue à toi. Pour info, les gens qui sont là, on attend juste pour l'instant, on attend que la bêta se lance, c'est chiant. Alors, le logo de changement est déjà moins flou que tout à l'heure. Je tiens à le noter. Il y a déjà une amélioration. Est-ce que ça a changé quelque chose? Je ne sais pas. Honnêtement, tu aurais pu en racheter une autre, ça aurait été rentable. En vrai, ah mais non, mais enfin, en vrai, oui, je suis d'accord. Mais avec les prix actuels, c'est compliqué. Hein. Tout le bordel au niveau des prix là, c'est tu payes 600 euros ta Switch, c'est pas du tout rentable. Pas du tout, du tout rentable. Bien que. Non, quand même, faut pas les coller. Tu veux dire doubleur ou ingé son? Bonne question. Très bonne question, ça. Ah, je fais les voix, je dirais. Ah ouais, non, c'est vrai que ça peut porter à préjudice. J'aurais dit un G-son pour le coup, mais c'est vrai que ça peut porter un peu à préjudice. Je suis rentré chez mes parents sur ma console samedi avant le confinement. Comme le confinement n'était pas encore annoncé, je pensais que j'allais rentrer tranquille. Et la console restait dans mon appart. Eh putain, c'est con. C'est con, c'est con, c'est con. Après, ouais, je vais pas te dire d'aller la chercher parce que c'est un peu contre le règlement et c'est ce qu'on combat tous, quoi, mais bon. Bah, du coup, heureusement qu'on est là. Hein. Taylor Gang, ton drapeau à la fenêtre. Joli ton drapeau à la fenêtre. Merci. En plus, à la base, il devait pas être redéplié. C'est un drapeau de la France que j'avais mis pour l'Euro, pour le Mondial. En mode patriote pendant le foot. Mais en fait, il s'est déplié l'autre jour et je voulais pas replier parce que flemme. Bon, ça fait, on va dire, soutien à l'État français qui n'a pas des masques pour le Covid. C'est pas grave, MDR. Ingé son, du coup. Ok, d'accord. Ok. Et tu travailles auquel d'Ubisoft, du coup? Parce que moi je connais Ubisoft Montréal du coup effectivement. Mais il y a aussi le Ubisoft Montmartre il me semble, Ubisoft Montpellier. Je sais pas s'il y en a encore en Bretagne. On va être en confinement, non alors ça j'ai déjà lu. Et c'est surtout qu'à 250 km de là. Ah oui non d'accord ok ouais donc c'est juste pas possible quoi. Non mais t'as plus qu'à regarder nos lives quoi, c'est tout. Et encore on en fait que le mercredi quand tout se passe bien donc bon. Allez connecte-toi, putain j'en ai marre. Non Montréal. Montréal, ok d'accord, cool. Ah, tu nous regardes en direct du Canada. Il est quelle heure chez toi là? Je dirais 10h à peu près.
Non, en fait, je connais que l'heure. Je connais pas l'heure de Montréal. Je connais plus ou moins l'heure des Sept Îles, je crois que ça s'appelle comme ça. C'était 7 heures de moins. J'avais un correspondant à l'époque là-bas. Enfin, correspondant. Si, on s'était envoyé 2-3 lettres, c'était rigolo. Je lui avais envoyé une pièce de 2 euros, il m'avait jamais envoyé de dollars, le salaud. T'as commencé à regarder hier. Ah, cool. Cool. Ah, oui, c'est vrai, bah oui, je suis con. J'étais là hier, moi. Quand on jouait à Totally, machin truc là. Bon, ça se lance pas ce truc là. Je vais appeler Vigor the Game, ils vont me dire please speak English et je vais dire bah flemme. Flemme. Pam 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 pam. Fuck, je t'aurais demandé une petite. Fuck, ah fuck, j'aurais demandé une petite vidéo des locaux sinon. Ah putain, c'est pas possible. Je vais relancer encore le jeu pour voir. Et on fait des études d'ingé son aussi. Ah, le Doxan! Un petit coup d'émote là. Eh, les ingé sons, on a trouvé moi un moyen pour que mon micro fasse pas trop de basse. Ça me saoule cette basse de ouf qui me fait. Non, en plus, un micro USB, je sais pas s'il y a grand chose à faire. Pom, 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 pom. Ça me fait quitter. Erreur communication du cloud. Ah merde, t'étais en partie, ça t'a fait quitter? Bon, j'aurais dû attendre en fait au moins une bonne heure avant de lancer le live parce que du coup ils sont en train de galérer, les mecs. Ils sont en train de galérer. Je vais boire un petit coup. Marche pas? Non, ça marche pas encore. Donc. La bêta, ça fait 20 minutes qu'elle est censée être lancée. Je pense qu'ils arrivent pas à tenir pour l'instant. Tu peux mettre un quoi dessus? Oh, je sais même pas comment on fait. Si tu peux mettre. Un micro USB, alors tu parles d'un equalizer logiciel ou matériel? Je sais pas si ça existe en matériel, ça doit exister, je suppose. Mais du coup, ouais, je sais pas du tout. Aïe, désolé. Ah, mais peut-être que sur Stream. Ah bah, il y a Ryan Mac qui s'est connecté sur Malcrossing. Sachez, c'est ma copine, je ne veux pas le dire. Où est-ce qu'il est le micro là-dedans? Micro, je sais pas sur. C'est sur Streamlabs, il y a des trucs à faire là-dessus. On va regarder ça. Compresseur, non, c'est pas compresseur que je veux. Ah, bien qu'un compresseur, ça peut être utile aussi, non? Là, dites-moi si on m'entend mieux ou pas, aucune idée. J'en sais foutrement rien. Filtre. Ajouter un filtre. Ouais, il n'y a pas d'equalizer en fait. Il y a autre stream. Ah! Oh! Trop déçu, ça s'est lancé. Oh non, c'est pas possible. Qui arrive à. Ok, d'accord. Attends, je vais aller voir ces streams-là. Je vais leur dire, oh les gars, là, c'est pas cool. Moi aussi, je veux jouer. Découverte, de vigueur. Bah ouais, il y a un mec qui l'a lancé. Oh là, pardon, il y a du sang. Comment il a fait pour le lancer, dis donc? C'est. Ok, d'accord. N'allez pas chez lui, restez ici. On est plus nombreux ici. On va prendre la Nintendo Switch Lite. Voici la Switch Lite. Je sais pas s'il y a de la batterie, ma Switch Lite en plus. Peine de poussière, la pauvre. J'utilise pas assez souvent. Non, elle a même plus de batterie. C'est bien triste ça. C'est pas bien de laisser ces appareils se décharger à fond. C'est très mauvais pour la batterie. Mais bon, après, je dis ça. Je ne donne pas vraiment de bon exemple en faisant ça. Oui, du coup, Nightbot, suivez-nous. Hein. Allez-y. Suivez-nous. Mais bon. Tant qu'on peut pas jouer à la bêta. Je sais pas ce que je peux faire pour que ça fonctionne. Est-ce qu'il y a une petite technique à utiliser? Salut à tous, moi aussi je viens de lancer la bêta, mais c'est loin à se lancer. Bah ouais, ça marche pas. Hein. En tout cas, salut Lucas, le geek. Pas trop suivi le truc, mais c'est un free to play. Ouais, c'est un free to play exactement. Il n'est pas encore sorti officiellement. Pour l'instant, en fait, c'est une bêta fermée. Une bêta fermée très généreuse. Ils ont filé des clés à pas mal de monde. Du coup, c'est une bêta fermée. Voilà. Pour l'instant, c'est juste ça. Ça sortira en free to play quand ce sera prêt. Bon, allez, je vais redémarrer la Switch en entier. J'espère que ça va pas faire bugger la Laver Media. Samy Server, ok, d'accord. Non, pas, mais non, pas veille, putain. C'est bien malin. Allez, relance-toi ma petite Switch. C'est bon? Non, c'est pas du tout relancé. Ok, bien. Je vais me faire à manger pendant que ça charge en espérant que ça envoie des bonnes ondes. Allez, vas-y, fais-toi un bon à manger. De la bonne nourriture, et j'espère que la bonne odeur donnera envie au jeu de se montrer. Option d'alimentation, redémarrer. Allez, on va redémarrer ça. Au revoir, ça marche. J'espère que oui.
Il y a un peu beaucoup de lumière quand même là. Ah bah du coup il n'y en a plus assez. C'est au moment de faire des réglages, hein, vu que de toute façon il se passe pas grand chose. Pom 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 pom. Oh, ok. Ouais, je vais quand même attendre que ça se connecte à internet. T'as vu au fait, dame, s'il y a Pokémon Let's Go Pikachu qui est dans la console. C'est quoi les dernières nouvelles? Ok. Je pense que si ça marche pas du tout, on jouera à Trial Rising. J'ai envie d'y jouer. Ah, mais je sais pas si j'ai fait les mises à jour. Ça fait très longtemps que je l'ai pas lancé. Là, j'ai juste réinstallé, donc il est au début du menu, mais je l'ai pas lancé depuis longtemps. Allez, est-ce qu'on prie? On prie. Utilisons l'émote pour prier. Ne me parle pas trop de ce jeu. Ne me parle pas de ce jeu, s'il te plaît. Pourquoi? Tu n'aimes pas Let's Go? Attends, j'ai pas suivi en fait, moi. Pom 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 pom. Ça ne vous affiche rien à l'image, c'est étrange. Alors, avoir média. Hop, propriété. Désactiver, activer. Voilà. On peut jouer à combien de vigueur? C'est 12 personnes en partie, normalement. Si je dis pas de bêtises. Let's Go, c'est pas fou. Ok. Eh ben, sache, dame, ce que j'ai largement préféré Let's Go à épée bouclier. C'est pas bien, putain. C'est un peu long. Bon, du coup, j'en profite pour configurer hein, le live, tout ça. Je change un peu l'opacité du chat. Je le passe de 50 à 65. Salut à toi, AIDE29. Bienvenue sur Switch Actu. Merci d'avoir follow. C'est très cool. Dame, tu démissionnes. Ah, c'est pas cool. C'est moi qui vire les gens. C'est pas les gens qui démissionnent. Quel salaud. Bon. Oui, en tout, il y a 32 cas de code. Ah ouais! Ah ouais, ça rigole pas, tu m'étonnes que ça marche pas. Si tout le monde essaie de se connecter en même temps, ça risque pas de marcher. Mais l'autre il joue, hein. Il est en train de jouer, l'autre genre il... Ça marche. À croire en fait qu'il y a une partie disponible dans tout le jeu. Et que lui il est dessus et pas nous. C'est la nostalgie qui parle. Non mais oui, mais hop, c'est clairement la nostalgie. Là. Très très sincèrement, c'est que de la nostalgie. Il va bug. Bah je sais pas, ça fait un petit moment là quand même qu'il est en train de jouer, je trouve. On est 45 personnes. Juste pour voir un jeu ne pas se lancer. Et ça, c'est magnifique. Ah, ça y est, s'il vous plaît, dites-moi que ça a marché. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh my god. Avec un accent anglais tout pourri. Ça se lance vite, je veux pas voir les cinématiques, je veux jouer. Voilà, il panique lui. Ah ouais, c'est pas très beau. Hein. Ah ouais, c'est pas beau du tout. Mais regardez les pauvres, tant que leur visage charge, ils ont pas de tronche. C'est trop triste. Alors, bon allez, on va prendre lui. Hop, je sais pas qui c'est. Allez, on a qu'un de cet exilé. Ça mérite bien une petite émote, hein, je dis. Alors. Que doit-on faire? L plus A pour franchir. C'est pas... Techniquement, c'est très 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 flou. Pour l'instant, ça m'a l'air d'être assez stable, mais enfin, on n'est pas encore à monde ouvert. Mais pour l'instant, c'est vraiment très flou. Après, faut bien se rendre compte que c'est une bêta fermée qui plus est, c'est-à-dire que c'est pas encore une bêta assez optimisée pour ouvrir à tout le monde. Donc je suppose et j'espère qu'au fur et à mesure du développement de la bêta, etc., ils vont peut-être rendre le jeu plus joli, peut-être. On verra bien. Après, ça me choquera pas tant que ça, franchement. Pff, non, c'est pas beau, mais il y a plein de jeux sur Switch qui sont totalement pareils. En vrai, c'est pas... Alors si, c'est un peu plus loin. Regardez, on se recule, il n'y a plus du tout de texture sur l'herbe, c'est dégueulasse. J'ai envie de dire, en regardant loin, très sincèrement, c'est pas si loin que ça que Witcher 3 au lancement. Il est un peu plus joli maintenant avec le patch. Mais c'est pas si loin que ça. Qu'on vienne plus me parler de l'arbre de Pokémon au bouclier. Mesdames, si tu parles d'un jeu cartoon, là on te parle d'un jeu photoréaliste. T'es fou dans ta tête. Du coup, j'ai pas eu tout ce que je dois faire pour l'instant. Est-ce qu'on peut courir? Oui, on peut courir évidemment. Écoutez, on va suivre le chemin qui est tout tracé, hein. Tu m'entends? Oui, je vous entends. Je vais me retweeter avec mon compte. Hop, deux petites secondes, désolé. Hop là, c'est bon. J'ai pas regardé ce qu'elle m'a dit. Tant pis, c'est pas grave. C'est Days Gone. Ah, plus ou moins. Alors, regarde ta carte, il y a un bivouac dans le coin, cherche-le. Vous entendez bien le son ou pas?
Est-ce que vous entendez bien? Ok, donc faut aller jusqu'ici du coup. Placer marqueur. Il n'y a rien qui s'affiche sur la carte. Non, ce sera sur le GPS en haut. On peut sauter ou pas? J'ai envie de sauter. Oui, on peut sauter. En plus, je venais de le faire, je crois, je suis bête. Ouais. Ah non, c'est ici le bivouac? Ok, c'est pas tout ce que je pensais. Si? Ah non, je pensais pas à celui-ci. Alors, cherche une arme. Ah bah attendez, ça doit être ici du coup. Maintenez X pour ouvrir. Bon, on prend tout, hein. Tu sais tirer? Bah bien sûr que je sais tirer. Ah, ça fait bizarre. J'ai l'impression que le... Alors non, c'est moi en fait. Mais j'avais l'impression que le viseur était très, vraiment beaucoup sur la droite. En fait, je pense que c'est simplement parce que le personnage s'affiche sur la droite. Et ça me fait bizarre. Il n'y a pas moyen de changer ça. C'est très bizarre. Et je vous avoue que ça me... Non, ça me frustre. Un petit peu. Commande. Et si je fais inversion de visée? Ah non, non, ça c'est... Je peux pas, ça j'y arrive pas du tout. Commande, inversion de visée. Non, bah écoutez, je sais pas. Hein. Non, non, bah ça doit être normal du coup. Bon bah tant pis, c'est pas grave. Je vais essayer de tirer sur une canette. Yes, j'ai réussi. Faut tirer sur quoi exactement? Rien en particulier? Bon voilà, je me casse et ça marche. Eh oui, non mais t'inquiète, on a même pas... Franchement, on fait encore le tuto, on n'a pas lancé grand-chose encore. Mais c'est uniquement grâce à toi parce que t'as fait de la bonne nourriture. La sensi du stick est pas ouf parce que là je suis en train de bouger doucement le stick et ça ne bouge pas dans le jeu. La sensi est très étrange. Du coup, je galère un petit peu. Non, continue le chemin. Ah ok, d'accord. J'ai rien à faire du coup. Bah du coup, j'ai plus de munitions. Ah si, c'est bon. Ah ok, il n'y a plus rien à prendre, on est d'accord? Non. Bon. Je continue le chemin. Il y a une... Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ok, j'ai pris un truc, je sais pas ce que c'est. Et il y a une carène près du lac. Ah ouais, elle va nous faire faire plusieurs morceaux, je suppose. Ah, il y a les drops aussi. Des drops, non, comment on appelle ça? Des loots? Je sais pas comment on appelle ça. C'est vrai que c'est pas très très joli. Hein. Maintenez pour ouvrir. Ok, j'ai de la vie. Comment on fait pour sélectionner ça? Ah, comme ça, ok. Soigne. Hop, ok. Coucou, c'est Fluid, je vais tester là. Salut Advan. Écoute, c'est très très flou, mais pour l'instant ça a l'air relativement fluide. Hein. Je suis pas encore en mode en ligne, donc on verra quand on aura commencé le mode en ligne. Pour l'instant, c'est juste le tuto de base. Mais c'est vraiment très flou. C'est pas... J'allais dire, c'est pas moche, mais c'est pas non plus très beau. En tout cas, pour l'instant, c'est plutôt fluide. Je sais pas si on est à 60 FPS sur le live. De toute façon, le jeu doit être à 30 FPS, je pense. Mais en tout cas, ça a l'air stable. C'est cool. Et oui, du coup, c'est un peu flou max. Il y avait un truc là, non? Attendez, j'ai raté un truc, je crois, non? Salut à toi, Mick78. Merci d'avoir follow. C'est très cool. Merci, merci, merci. Je sais pas trop si j'ai raté un truc ou pas pour l'instant. Alors, source explorée. Le largage arrive, regarde ta carte pour connaître la zone de largage. Où est la zone de largage? Est-ce qu'on voit l'avion ou pas déjà? Ah, il y a là l'avion. Ok. Donc c'est... Ah d'accord, c'est ça la zone de largage. Ah, on voit pas très bien la zone de largage sur la map. Hein. Allez, on va avancer. Salut QC Sniper Scar, bienvenue à toi. Après, c'est une bêta, les montagnes au loin sont mieux que le perso au premier plan. Ouais, les montagnes au loin, je rentre déjà mieux que le perso au premier plan, en effet. C'est un Battle Royale. Alors, c'est une sorte de Battle Royale, dans le sens où c'est 12 joueurs, donc c'est pas un Battle Royale. Battle Royale, c'est vraiment beaucoup, beaucoup plus de joueurs. Mais c'est dans l'idée, c'est une grande carte avec des joueurs où on doit survivre un par un, etc. Donc voilà. On va dire que c'est un mini Battle Royale. Le jeu était sorti sur Xbox One hein, pour info, donc ils savent déjà plus ou moins ce qu'ils font. Le son va fort dans mes oreilles. D'autres exilés convoitent le convoi. Oui, bah oui, c'est, je me doute bien, oui. En effet. Bon, je pense qu'il n'y aura personne hein, cette fois-ci. Je suppose qu'ils vont pas mettre de bots. Ok. Ça a l'air bien en fait. Bah, on va voir. On va voir. Pour l'instant, je sais pas trop. Les autres guidés le voient aussi. Ah, ils savent que j'ai le largage. Ah, c'est pas ouf ça par contre. Comment on va dans l'inventaire déjà? J'ai déjà oublié. Je sais même pas s'ils nous l'ont dit en fait déjà comment on y allait. Ok.
Ah, c'est là la montée. Ouvrez-les au refuge, d'accord, ok, bon, je vais avancer encore. Par contre, j'ai retiré mon arme, mais c'est pas pratique. Il sera free to play? Ouais, il sera gratuit. Enfin, free to play, du coup, donc ça veut dire. Je suppose qu'ils vont faire ça bien, c'est-à-dire free to play dans le sens où c'est gratuit, et ce que tu dois payer, c'est que du skin, j'espère. C'est ici que je dois aller ou pas du tout? Je vais aller voir en haut s'il y a un truc. Je peux aller plus vite, ouais, ça va. Ah, il y a un truc ici, cool. Qu'est-ce que c'est? Bon, c'est des munitions, hein, ça se prend. Ah, putain! Ok, ça va, j'ai eu de la chance. Non, traverse le pont. Non, mais je voulais juste aller voir ce qui se passait. Ah oui, il y a un système de radiation aussi. Je peux voir sur la carte, ça? Ah ouais, donc ça fait aussi une zone comme ça, la Battle Royale. Ouais, ça prend vraiment plein de codes du Battle Royale. Hein. Ça va me stresser, par contre. Je vais être très nul, hein. Je vous préviens, je vais vraiment être une bouse. Je stresse toujours en Battle Royale, donc ça va être plutôt rigolo. C'est tout? Ok. Bon. Hop. Les serveurs sont peut-être disponibles, ça me saoule. Ah bah je sais pas du coup, parce que pour l'instant je joue pas encore en ligne. Je sais pas si ça demande déjà une connexion ou pas juste pour ça. Je sais pas trop. Advent normal que la connexion au service cloud prenne tout un plomb. On a pris beaucoup de temps à se connecter hein, tout à l'heure. J'ai lancé le live vers 17h05 à peu près. Ça a pris bien 15 minutes avant de se connecter. Salut Tom Fury, bienvenue. J'ai réussi à me connecter, ouais. Mais comme je disais, on a pris un petit moment à se connecter. J'ai vu d'autres gens en live sur le jeu. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un moustique ou quoi? Et ouais, j'ai eu de la chance. J'ai redémarré ma console entièrement, ça s'est lancé après. Bienvenue Desben, et ça pendant votre absence. Bon, on a pas encore commencé à jouer. Ah, ok, il me laisse pas lire en fait. Ok, bon. Et je suis en train de jouer ou pas là, ça y est? Non, c'est pas encore parti, je pense. Je pense pas que ce soit déjà parti. Consulter la carte du refuge pour lancer une expédition. Oh, ok, c'est pour ça. Donc il y a une sorte de hub central. Faut aller par là, je pense. Oui, c'est là. Ok, ok, ok. Hop là, ça c'est quoi? Salut à toi, Johan Santos. Bienvenue. Ah, il y a un pass de combat, voilà. Bon, du coup, on peut pas encore l'acheter, évidemment. Mais en tout cas, il y a un système de passe de combat. J'espère qu'il sera pas trop punitif pour ceux qui n'ont pas le passe de combat. Ah bah regardez, on peut s'abonner du coup au passe de combat parce qu'ils nous ont filé de l'argent pour la bêta. C'est cool. On a débloqué quoi là du coup? Ok, pour l'instant on a débloqué ça, c'est tout. Non, je vais pas acheter de l'XP. Bon, je sais rien en fait, je sais même pas quel niveau. Ah non, on n'est pas encore... Ok d'accord. Bon, c'est pas grave. Est-ce qu'on a des trucs à voir dans le dans la maison? Qu'est-ce que c'est que ça? Un Rubik's Cube. Ok. Pourquoi pas, hein? Et comment je change la face à gauche? Je sais pas comment je fais. Salut à toi, tu joues sur quelle plateforme? Salut FR Toons, je joue sur Switch, la bêta qui vient seulement d'être lancée là aujourd'hui. Sur Nintendo Switch. Je sais même pas comment je change, on peut pas bouger la face de gauche en fait. Voilà, faut faire comme ça peut-être. Non, même pas. Ah si, d'accord, ok, ouais, c'est un peu la mort. Non, mais ça m'a l'air trop compliqué. Déjà qu'en vrai je sais pas le faire, si en plus ils me font un truc du genre. Alors ici c'est les équipements du coup, ok. Hop là, ouais, je lis jamais ça et après je vais me plaindre. Oh, j'ai pas compris. Alors. Ça y est, j'ai pas compris. ça j'ai peut-être pas du coup. Ok. Ok. Munitions. Améliorer le refuge. Ah, je peux améliorer le refuge. Ok. Chaque amélioration rapproche votre refuge du niveau suivant. D'accord. Ok. On va améliorer le premier. Merci pour ta réponse. Je suis dégoûté. J'ai loupé l'inscription. Ah merde. Ah ouais. Et puis là, c'est pas possible du coup. C'est plus possible de s'inscrire pour l'instant. Il y aura sans doute une autre bêta fermée ou une bêta ouverte. Hein, t'inquiète pas. Mais là, ça va être compliqué du coup. Ok, du coup, normalement, j'ai une caisse... Ouais, là, je vais avoir une caisse de largage. Maintenir pour ouvrir. Ah ouais, c'est une loot box, en fait. Alors, plan Thompson. Ok, matériaux, couronne. Cool.
Cool. Passe de combat, je l'ai déjà vu. Alors la personnalisation, je vous avoue que je m'en fiche un petit peu pour l'instant. On le fera après si on a envie. Ça, ce sont les trucs à acheter. J'ai pas trop envie non plus pour l'instant. Alors, non, c'est pas ça. Oui, ok, très bien. Oui, ok, très bien. Et oui, ok, très bien. Comment est-ce qu'on construit une arme? Ça me l'a peut-être pas dit. Ça me l'a peut-être dit, mais je ne sais pas. Comment on fait? Fabriquer. Salut FR Toons. Ah bah tu étais déjà là. Bienvenue, merci d'avoir follow. C'est très cool. Ah c'est bon. Comment ça c'est bon? Je comprends pas ce que j'ai fait. X, voilà. Bah écoutez, tant mieux, hein, je. Bon. Ah niveau 4, d'accord, ok, j'ai dû monter le niveau de l'arme. Bon. Pas fabriquer le reste pour l'instant, tant pis, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non bah écoutez, on va essayer de lancer un truc. Ah c'est quoi ça? Non, ça c'est on vient de le voir dans les menus. Ok, ah, attendez, je suis désolé, on va aller voir l'étage. Y a rien pour l'instant à l'étage, je pense. S'il y a ça, ça va être pour se changer. Non, c'est pas grave. Alors, on va lancer une partie. Ok, jouer en équipe. Ouais, j'ai pas d'amis pour l'instant. Partie rapide. Alors, en tout cas, c'est fluide. Ça a l'air fluide. On va voir comment ça marche, comment ça fonctionne quand on est en ligne. Augmenter l'heure du largage, ok, gardez votre équipement après la mort, vous ne perdez que le largage, soyez prévoyant. Bon, messieurs, dames, je vous préviens que je suis une bouse sans nom sur le Battle Royale en général. Erreur de connexion, ça commence bien. Déjà, Fortnite, je suis nul, ensuite Apex Legends, je suis nul, qu'est-ce qu'il y a? Je sais plus ce qu'il y a d'autre. Bref, il y a énormément d'autres choses. D'autres Battle Royale auxquels. BUBG, je suis une bille aussi. Je suis vraiment très très nul, faut le savoir. Donc, je vais peut-être être extrêmement nul aussi sur ce jeu qui n'est pas un Battle Royale, mais qui ressemble quand même pas mal. Go jouer en équipe après, c'était chaud. Eh bah écoute, on va voir déjà si toi t'as encore envie de jouer en équipe quand tu m'auras vu jouer. Tom Tom, ça salut, le jeu est bien sur Switch. Eh bah, on sait pas encore. Pour te dire, on va seulement lancer la bêta et on n'a pas encore pu jouer en ligne, ça bug encore pour l'instant. Donc, on verra bien. Je vais quand même faire quelques petites captures d'écran, ça servira pour. Je vais peut-être faire un petit article sur le jeu. Erreur de communication. Ah putain, c'est pas possible. C'est pas possible. Bon. On va essayer peut-être le jeu en équipe, voir si ça fonctionne mieux. Ah ouais, là c'est clairement du Joy-Con Drift là, hein. Ça marche pas du tout. C'est du jeu Drift. C'est joli les sapins. Ça va. Ça va, en vrai ça va. C'est la Norvège, oui, exactement. Norvège post-apocalyptique. Je pense que le rendu est peut-être plus joli sur le live, paradoxalement, parce que la qualité est moins bonne que sur un écran directement. Donc vous voyez moins les artefacts, etc., les petits problèmes techniques. Et donc du coup, ça paraît peut-être un poil plus joli. Bon. Bon. C'est pas foufou du coup, hein. Écoutez, on va faire le tour de l'île, hein. Shooting range, on va tester ça. Allez, on va essayer des armes. Ah, le sniper, j'adore le sniper. Compris, ouais, ok. Alors, enfin, s'il va bien me lancer mon. Il va pas me donner mon arme en fait. Ok, j'ai pris sniper en fait, hein. J'ai pas pris ça. Ah putain, c'est comme ça qu'on fait ce que je voulais faire tout à l'heure. Bah, du coup, maintenant, tant pis, je me suis habitué de l'autre côté. Je sais pas du tout, du coup, comment on doit faire ce que je voulais faire. Ah bah ok, bon c'est pas grave. Ah! Ah! Mais c'est pas assez sensible cette histoire. Commande. Sensibilité, on va changer ça. Ah putain, ça bug. Ok, on va voir si ça change quelque chose. C'est pas vraiment beaucoup plus sensible. J'ai touché ça. J'ai touché ça. Les plus proches, ça va encore, mais dès que c'est un peu loin. Et je peux viser ou pas? Ah bah oui, je peux viser, bah voilà. C'est tout de suite beaucoup plus facile, je suppose. Ah, j'ai plus de munitions, merde. C'est con. Bah voilà, c'est plus facile quand on peut viser. Voilà. Record, oui, bah c'est pas foufou. Je vais annuler la recherche encore une fois, évidemment. Est-ce qu'on peut rechercher depuis ici ou pas? Mais je voulais pas faire A, moi. Comment je fais déjà pour aller dans le menu? J'ai déjà oublié. Mince.
Ah, comment on fait? Non, j'avais réussi, il me semble, non? Oh, putain, non, je sais plus en fait. Bon, bah, je sais pas. Si quelqu'un sait comment je peux faire pour jouer en ligne, ça m'intéresserait parce que bon, c'est un peu le but du live normalement d'essayer de jouer en ligne. X. On va essayer notre arme. Demande de jetons. Ok, j'ai même plus de recherche de partie, c'est vraiment une demande de jetons quoi. Du coup, j'aimerais bien tester le sniper en fait, mais du coup, je pense pas pouvoir. Ah si, il doit être là du coup. Non? Ah, il est là le sniper. Hop! Ah bah ça c'est plus rigolo déjà. Voilà. Voilà, ah bah ça y est, ça a chargé. Waouh! C'est parti messieurs dames. On va lancer une game. Garde Victorsen. Cherchez des ressources en la gare, j'ai prévu. Réfléchissez bien avant d'attaquer, si vous mourrez, vous perdrez tout votre équipement. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe, je vais stresser, sachez-le. Je vais clairement stresser. Fiu! Ok, maintenant faut attendre les joueurs. Déjà que le. Ouais, ok, j'allais dire. Connexion instable. Comment ça, connexion instable? Ça va, oui? T'arrêtes de me critiquer un petit peu? Oui, allez, on achète les butins pour 30 couronnes, évidemment. Plus. Ah non, mais je voulais pas ça, moi. Je. Oh, bah, bon, si, si, bon. Je sais pas. On va garder l'équipement aussi après la mort. L'autre, je le prends pas. Je sais pas si c'est intéressant en fait. Bon, vous savez quoi, je prends tout, là, je m'en bats les couilles. J'aurai plus d'argent, mais c'est pas grave. Y a personne du stream là dans le. Dans le truc? Mickey était pas là tout à l'heure? Non, j'ai peut-être des conneries en fait. Eh bah, je vais peut-être avoir une clé à faire gagner d'ailleurs. Je vais possiblement avoir une clé à faire gagner pour le jeu. Préparez-vous. Oh là! Alors attendez. Parce que j'ai reçu une troisième clé possiblement. Bon, je suis pas prêt du tout. Soutenez-moi moralement, s'il vous plaît. Attends, 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 attends. Si j'ai une troisième clé, je la fais gagner, hein, je la donne pas comme ça. Bon, messieurs, dames, s'il vous plaît, dites-moi que je vais y arriver. Je sais même pas comment on voit les autres joueurs. En vrai, j'ai pas envie de les taper, moi. Hein. J'ai juste envie de faire ma petite cabane tranquillou. Mais du coup, j'ai entendu. Ah, le son est très mal géré parce que je l'entends comme si c'était à ma droite. Avant-poste exploré. Ok, putain, il me fait peur avec ces trucs, lui. Ok, ici, il y a de l'équipement. Oh, ok, trop cool. Oui, remplacer. Je m'en bats les steaks. Je vais prendre les munitions aussi. Ok, j'ai une meilleure arme. Je vais me cacher. Non, pas là, c'est pas ça que je voulais faire. Let's go, ça me fait flipper, hein, je vous jure que ça me fait flipper. Je vais prendre ça à la place de Puco, je sais pas ce que c'est. D'autres munitions. Ok, je sais pas ce que j'ai pris, mais j'ai pris. Ah, de l'essence, ok, cool. Bon, je pense pas pouvoir conduire le camion quand même, hein, mais bon. En fait, le son est un peu en décalé, du coup, ça me fait stresser. J'ai vraiment l'impression que quelqu'un arrive. Alors que non, c'est moi qui marche, mais le son est un peu décalé. Faut que j'arrive à bien retenir les touches parce que si je saute au lieu de m'accroupir, je vais pas avoir l'air bête. Comment on fait déjà pour viser? Comme ça, ok. Ah! Ah non, mais c'est pas... En fait, il y a une latence entre les boutons et le jeu. Parce que là, j'appuie sur le bouton comme ça et ça vibre en fait avant que ça fasse un mouvement. Du coup, j'ai cru qu'on me tirait déjà dessus. Des infos sur le système de communication. Du tout! J'en sais fichtrement rien, je t'avoue. On verra peut-être ça après, hein, s'il y a de la communication comme ça, si on joue en équipe après, on verra ça. Bah pour l'instant, je vous avoue que j'en sais fichtrement rien. Je sais même pas ce que je suis censé faire en fait, là je suis censé trouver des équipements et tout, mais je sais pas où les trouver moi. Ah bah ça c'est bien ça, bah voilà en fait. Mais du coup ça termine quand en fait? Je sais pas, il faut être top 1, faut faire top 1, faut quelque chose? J'en sais rien, je sais pas du tout en fait. C'est fou quand même. Peut-être via l'appli. À voir, ouais, effectivement. Bon, en bêta, je suis pas sûr qu'ils aient tout activé, les types. Hein. Eh, j'ai lâché mon arme, non? Ah non, ça va, j'ai eu peur. Est-ce que quelqu'un est déjà venu ici ou pas? Non, il y a encore plein de trucs.
Peu de chance, la piste, on pourrait jouer Nintendo. Alors oui et non, il y a quelques rares jeux qui l'utilisent, mais en fait, les jeux non Nintendo aiment bien simplement utiliser leur propre système. Kelevra, je crois que tu peux juste loot et repartir quand tu veux. Je suis pas obligé de fight, c'est vrai? Non, ça me paraît gros quand même. Ça me paraît gros. Et comment je reviens du coup, moi, dans ma base? Ah, quitter la zone! Ah ouais! Ah ok, ça n'a rien à voir du tout avec ce que je pensais du coup. Enfin, si, ça a à voir quand même, évidemment, mais... Coffre-fort en cours d'ouverture. C'est-à-dire... J'ai entendu un bruit, non? Ok, non, je sais pas. C'est d'accord, coffre-fort en cours d'ouverture. Salut, j'ai reçu mon coach en train de télécharger le... Cool! Cool, cool, cool. Surtout, ne sois pas choqué si c'est très long à mettre en route. On a attendu une bonne demi-heure avant de commencer vraiment à jouer. Je flippe un peu, moi, je vous avoue. En fait, le distance d'affichage est tellement étrange que je suis même pas sûr de voir s'il y a des mecs qui passent, en fait. Le son est très mal foutu, j'entends que dans mon oreille droite, ça me stresse. Première impression, bah écoute, pour l'instant personne m'attaque, donc ça va. Mais c'est quand des gens vont m'attaquer que je vais commencer à flipper ma race. Bah sinon, première impression, on va dire... C'était quoi ça? Putain, c'est moi qui fais du bruit. Première impression technique, bon le jeu est très faiblard hein, techniquement, mais enfin au moins il a l'air fluide, ce qui est déjà bien. On verra bien ce que ça donne. Alors j'en viens d'ici, hein, on est d'accord. Il manquait un jeu comme ça sur Switch. Ouais, potentiellement, effectivement, il pouvait manquer un jeu pareil sur Switch. Ah putain. On est d'accord qu'on a tiré, hein. Mais le problème, c'est que je suis pas sûr d'où vient le son, étant donné que le son est mal foutu. Je pense que ça vient par là. Je sais pas si c'est un mec qui essaie de tirer sur quelqu'un ou s'il s'amuse juste. Allez, je vais essayer de partir au fight pour vous. Vous voyez quelqu'un ou pas? Ah, y a quelqu'un ici. C'est pas précis du tout, ce truc. Quelqu'un d'autre ici qui arrive. J'entends quelqu'un arriver. C'est lui peut-être en fait, hein, qui est en train de marcher du coup. Je vais pas... Oh là là là, je vous jure que ça me stresse. Je suis trop nul. Encore un call of, ça va, ça me stresse pas, on ripop rapidement, mais alors là... Il sait pas d'où ça vient en fait, je pense. Oh là! C'est lui qui tire ou pas? Ouais, il a l'air de bien flipper. Ah, il est mort ou pas? Non, il est juste allongé. Ah, elle a plus de munitions. Attendez, j'ai plus de munitions du tout? Mais si, je suis censé pouvoir recharger. Oh merde! Eh ben non, j'ai plus de munitions. Trop bien. Si, je suis censé avoir des munitions là quand même. Connexion instable. Ah, alors lui. Lui, il a pas peur, il est juste ici. Ah! Ah! Bon, bah, je vais mourir. Quoi? Je me rends si peu de temps, mais c'est une blague! En tout cas, salut Julien, excuse-moi, je t'avais pas dit bonjour tout à l'heure. Mais attendez, le mec, je lui ai mis 3 balles. Là, il m'en met une, je meurs direct. Oh putain, ça me saoule. En tout cas, c'est... Ah bah merci d'avoir follow Julien, c'est cool. Ah non mais c'est trop triste, sérieux, putain. Mais en même temps, leur visée elle est toute pourrie. Non mais je trouve des excuses évidemment. Je trouve des excuses. Mais la visée m'a l'air un peu pourrie. Bon. Du coup j'ai rien récupéré. Malheureusement. Je n'ai rien loot du tout. Ah, j'en fais juste un petit tweet. Ah ok, super. Eh ben ça, c'est pas une bonne nouvelle. Je joue avec la manette pro, la manette officielle pro de la Switch. Y a pas meilleure manette pour moi. Donc bon. Salut Gunstarred, est-ce qu'il y a des animaux sauvages? Eh ben écoute, pour l'instant, le seul animal sauvage que j'ai vu, c'est moi-même. Je sais pas s'il y a des animaux sauvages dans le jeu ou pas. Mais il y a un gros problème de visée là, c'est pas du tout précis parce que le stick, faut le mettre à fond pour que ça bouge un peu et du coup, il y a aucune précision. C'est très très chiant ça par contre, parce que du coup dès là que je suis nul, si en plus il n'y a aucune précision, ça risque d'être très compliqué.
Je vais juste retweeter, hop, le petit tweet comme j'avais dit. Hop là. La caméra m'a l'air bien haute. Ah, elle est vachement chaude ma caméra, c'est bizarre ça. Oui, c'est dur, il faut jouer à la manette, sinon ce sera encore plus dur. Eh oui, oui, oui. Oui. J'ai tout un système pour tenir ma caméra là, mais ça va pas l'air de bien tenir. Ah putain, c'est trop bas maintenant. Hop, ouais, allez, ça ira. J'imagine même pas ce jeu en mode portable, je pense que c'est pas du tout pensé pour. Ça doit être quasiment injouable ce truc. Alors, deux petites secondes. Hein. Hop. Je suis désolé, je fais juste un captcha qui est très chiant à chaque fois. Ça me demande de choisir des images dans tous les sens, c'est ridicule. J'ai juste en fait aller voir si on a reçu un deuxième code ou pas, c'est tout. Enfin un troisième du coup. Mais c'est pas possible, il me demande de le refaire à chaque fois. C'est de la merde. Ou alors je vais trop vite, il pense que je suis un robot du coup, possiblement. Hein. Je suis bien trop fort. Ça y est, je suis un humain. Ok, c'est bon, je suis un humain. Bon du coup j'ai rien gagné hein. J'ai rien gagné. Commande, ouais, j'ai essayé de tout maintenir quand même, de tout augmenter, mais pff, commande avancée. Zone intérieure de... Zone morte extérieure. De déplacement. Qu'est-ce que ça veut dire? À quand du Beat Saber like? Alors, pff, aucune idée. Pourquoi pas, écoute, ce serait cool. Hein. Ce serait cool. C'est pas ça, là, modifier la taille des zones extérieures, le cycle de visée. Ah, bah c'est ça, du coup. On va voir. Comment je ressors mon arme du coup? Ah, j'ai même plus mon arme du coup. J'ai plus d'arme. Si, quand même. Ah bah si, elle est dans mon dos mon arme. Comment je la sors déjà? Attendez, je peux pas sortir mon arme. Ok. Ok, c'est... Ah non, ah c'est mieux, mais c'est pas encore ça. C'est vraiment, par contre, c'est vraiment mieux pour le coup, parce que ça me permet de viser quand même un peu mieux. On va voir comme ça. Oui, c'est déjà mieux, c'est déjà mieux. Mais est-ce qu'on peut faire encore mieux? J'aimerais bien. Non, je pense que j'ai baisse d'accélération. Seconde avant la perte de vitesse supplémentaire. Je sais même pas ce que c'est. Modification de la visée en fonction du mouvement. Je sais pas ce que c'est. non, bah écoutez, ce sera déjà bien. Ce sera déjà mieux. Je jouais avant à Fortnite en mode portable depuis que je suis passé à la manette de changement total de skill. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Mais on a une grosse joueuse de Fortnite ici, Shania. Je sais pas si tu joues plus en portable qu'en TV, Shania. Hop, bon du coup le problème c'est que voilà, j'ai rien récupéré du tout avec tout ça. Bon, on va retourner chercher une partie, hein. Est-ce que... Oh putain, j'ai envie de t'ennuyer. C'était qui était là tout à l'heure qui voulait jouer avec moi? Aïd, c'est pas toi? Non, c'est pas toi. C'était Advent, si tu es encore là, je veux bien qu'on essaye de jouer tous les deux, pour voir. Va tout en bas, t'as des armes. C'est-à-dire, j'ai des armes. Tu sais tout, toi? Comment tu sais autant de choses sur le jeu? Non, alors, tout en bas, je suis déjà allé. Salut Gzou, bienvenue sur la chaîne, c'est très cool d'avoir follow, merci beaucoup. On commence doucement à approcher des 250, hein. Là où t'as les caisses... Ici? Non, pas ici, ici c'est de la pêche. L'eau est pas dégueu pour le coup. L'eau c'est vraiment un des trucs les mieux faits dans la plupart des jeux, même pas beau les jeux. L'eau est toujours plus jolie. Je sais pas de où tu parles en fait, je t'avoue. Ah, ça va, je meurs pas ici. Ah, j'ai pas de munitions. Ah bah si, faut charger. Dans la maison. Ah, pardon. Je voulais tirer. Alors juste attendez, je vérifie. Est-ce que j'ai bien reçu? Oui, j'ai reçu un code. Ok. Eh ben on fera potentiellement gagner ça sur notre Twitter tout à l'heure. Si vous êtes intéressé par un code pour le jeu, venez sur Twitter, on va faire un concours rapido, on va dire une petite journée. La bêta finit le 18 je crois. On fera un concours rapido d'aujourd'hui à demain. Certes méga flou, mais l'environnement est très bien pensé. Eh ben écoute, ouais. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, ça c'était le truc de tout à l'heure. Ah, j'ai gagné un niveau, c'est vrai, entre-temps. Cool.
Comment je vais pouvoir l'utiliser du coup le niveau? Il est plus là, advenant, hein. Dommage. Enfin bref, du coup, si vous voulez... ok, qu'est-ce que c'est que ça? Chelou. Si vous voulez une clé bêta pour le jeu, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter. Comme je disais, on va faire un concours express tout à l'heure. Combien de gigas? Je vais dire ça tout de suite. Gestion de données, logiciel. Attention, oubliez Vigor. Vigor 4,1 Go, très exactement. Donc ça va, c'est pas très lourd pour le coup. Après, il manque énormément de choses, hein. Il y a très 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 peu de contenu, genre il y a qu'une map et tout, donc voilà. Mais tu me dis des trucs, je te shoot, je comprends pas moi ce que tu me dis. Va où il y a les armes. Je veux bien là où il y a les armes, mais tu me dis en bas et je suis en bas, c'est pas ça. Ah, c'est ça, pardon, putain, j'ai trop du mal. Ok. C'est ça que tu voulais dire. Et moi, clairement, par contre, je vais me prendre le sniper. Hein. Est-ce que je peux... Je l'ai ou je l'ai pas? Si, je l'ai. Oui, mais j'ai pas de munitions. Ah, ça, c'est con, par contre. C'est ça, la munition? Oui, c'est ça, la munition. Ok, c'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Tu veux expliquer en deux mots le système de loot pour les armes? J'en sais foutrement rien. Si quelqu'un veut bien expliquer, parce que je vous avoue que je suis pas un très bon joueur de base de ce genre de jeu, donc je vais sans doute mal expliquer. Pour l'instant, les armes, je sais pas encore comment on les a en fait. Je suppose qu'il faut peut-être avoir des plans pour les construire ensuite, possiblement. Je saurais pas dire. D'ailleurs, on est en Warframe, ma nouvelle extension ce soir ou demain, la certe est passée sur Switch. Ok, cool. Enfin, Warframe, tu me diras, je l'ai, mais j'y joue pas. J'ai essayé un tout petit peu de temps et j'ai pas du tout aimé, malheureusement. Malheureusement. J'aurais bien changé avec celui du... Ouais, celui-là, c'est ça. Et du coup, il me faut les munitions pour ça aussi. Alors ça, je peux en fabriquer, du coup. Fabriquer des munitions, ok, cool. Et ça, ce sera les munitions pour... Et pourquoi j'ai... Mais je viens de mettre une arme, pourquoi je l'ai plus déjà? Je suis trop bête. C'est pas du tout comme dans DayZ, ok. Tant que j'étais sur Animal Crossing, bah ouais, on sait jamais. Ah, l'arbalète, je kifferais avoir l'arbalète. J'aimerais vraiment beaucoup l'avoir, mais j'ai pas le plan, du coup. AK-47, je voulais le mettre, du coup, je peux pas l'utiliser, moi, l'AK-47, c'est interdit. Bon, bah, je peux pas l'utiliser, hein. Si, ça y est, ok. Alors, soit c'est un bug, soit je comprends pas comment ça marche. Il me faut donc quelle munition? Il me faut... Non, pas celle-ci. Celle-ci, voilà, c'est ça qu'il me faut. J'en ai sur moi? Non, j'en ai pas sur moi. Je crois qu'il y a un bug, hein, c'est pas possible. Ok, d'accord, ouais, il y a un gros bug en fait, ça ne veut pas m'afficher correctement. On va regarder tout ça, hein, du coup. Ça va peut-être retirer un peu. Et puis on va essayer de retrouver une mission. Advent, t'es plus là. Alors pourquoi tu parles mal de détective... Pourquoi tu... Alors salut Thibault Brock. Thibault Brock, pardon. Pourquoi tu parles mal de détective Shania? dommage, ouais. Bah ouais, je sais, mais j'avais pas trop kiffé. On trouve des armes sur la map. Alors oui, tout à l'heure, j'ai looté des armes sur la map, mais est-ce que je peux les garder ou pas? J'en sais rien du tout, je t'avoue. Votre sac est bien rempli, prudence. Ah ouais, du coup, ça veut dire que je vais tout perdre, en fait, si... Oh, ça va, c'est le moment de tester, du coup, c'est une bêta. Salut à toutes et à tous, eh bien, salut à toi, Thibaut. Bienvenue. Je vous laisse, bonne soirée. Eh ben, à très bientôt, Dams. Merci de passer cette rigole. Merci. On attend, hein, une petite... Ok, c'est le but, tu t'attends, c'est ça, ouais. C'est ça, exactement. Je reçois des mails bizarres. Salut, je suis tombé sur votre site web lors de la recherche de site pour acheter un article. Article pour mon site. Mon site est lié au jeu et je souhaite acheter un article slash article sur votre site web. Faut bien savoir quel est votre prix. 2000 euros, madame. 2000 euros, rien. Attention, j'ai une clé. Hop là, vous l'avez pas vu passer la clé, hein. Je sais pas si ça vous... Non, c'est une mouche, ça. Allez, c'est reparti. Je me faire... péter en 2 minutes, clairement possible, c'est très clairement possible. Je veux pas, si, alors attendez, assurance, ouais, je vais re-acheter ça. Je suis tellement nul que je vais racheter ça, mais pas de problème, le reste je m'en fiche, mais ça je le veux. Tu as mis combien de temps à télécharger, toi? Alors j'ai la fibre, une grosse fibre, mais la Switch est quand même assez limitée. J'ai pris, on va dire, 15 minutes à le télécharger. À peu près, grand max, hein. Parce que la Switch est loin de la box, là. Mais de toute façon, même en internet, la Switch, j'ai 120 mégas maximum, c'est extrêmement chiant, elle est plafonnée à 120 mégas. Alors que j'ai 1 gigabit de fibre. La Xbox One est à 600 et quelques, je crois.
Ah, ça met la pression un peu, le jeu. Brum, Ah non, c'est une autre map en fait. Je pensais qu'il y avait qu'une map. Je pensais du coup. Bon, il n'y a pas l'air. Hein. Il y a plusieurs maps quand même. C'est bien. Allez, c'est parti. Comment on change d'arme déjà? Comme ça. Clairement, moi je pense que je vais miser sur sniper au début. Hein. On peut viser loin ou pas avec? Ouais, c'est pas très loin. Hello Léotende, salut, comment vas-tu? Merci d'être là, en tout cas c'est cool. En tout cas, ça fait grave plaisir de voir un jeu avec, de voir arriver un jeu comme ça sur Switch. Ouais, ça fait grave plaisir. Surtout qu'il est pas sorti sur PS4 et PC le jeu. Ils se sont dit d'abord, on fait. Enfin, c'est un jeu à la base exclusif Xbox. Et ils se sont dit qu'il allait sortir sur Switch, c'est très très cool. C'est grave cool. Je sais pas trop ce que je fais encore. Hein. Qu'est-ce que je reçois comme message? Ok. Romain, si tu es sur le live et que tu m'entends, eh ben oui, prends le code que je t'ai envoyé. Vous savez quoi, je vais faire le malin en fait. J'ai quand même peur de me faire avoir avec mon sniper. Du coup, je vais garder le fusil d'assaut pour l'instant dans les mains. Ça me servira peut-être plus pour l'instant que un sniper. En tout cas, dans les zones comme ça, un peu proches. Je vais prendre ça avec moi. Mais tout à l'heure j'avais pris l'assurance, la fameuse assurance, et j'ai pas regardé mes trucs. Je dois partir par contre, j'essaierai de repasser. Ok d'accord, après je sais pas combien de temps ça fait qu'on est en live 1 heure. Je pense que dans une demi-heure à peu près je vais être arrêté déjà. Hein. C'était juste vraiment pour découvrir un peu, tâtonner la bêta. On jouera mercredi avec Romain normalement. Donc voilà, je voulais juste me faire kiffer un peu et faire un petit live avec vous. J'entends des tirs déjà, j'entends des tirs, je sais pas si vous entendez bien. Vous entendez bien ou pas dans le live? Parce que là, il y a vraiment des tirs, je viens de les entendre. Ok, cette fenêtre-là sert absolument à rien. Le son est pas du tout calé avec ce qui se passe, c'est assez relou. Je suis en train de couper ma circulation du sang dans mes pieds. Alors, avec le confinement... Ouais, c'est sûr. Après, il est en bêta, donc je sais pas s'il sera disponible avant la fin du confinement ou pas, hein, en version complète, je veux dire. J'en ai aucune idée. Je sais pas comment elle chaîne, cette fenêtre, là, sérieux. Alors, je suis quand même très exposé, là. Est-ce qu'on voit quelqu'un? En même temps, je suis allé dans la ville, je suis pas très malin non plus. C'est quelqu'un? Ah, c'est quelqu'un là-bas, regardez. Non, mais putain. Alors, on le voit plus, mais il y avait quelqu'un juste ici. Je l'ai plus ou moins vu, il me semble. On va attendre de voir s'il sort ou pas. Je vais pas rester trop à découvert. Ah bah, au moins un petit peu serait bien. Voilà. J'ai vraiment cru voir quelqu'un en fait. Alors je sais pas si c'est mon imagination qui me joue les tours ou pas, mais... J'ai sincèrement cru voir quelqu'un passer. Un pixel flou, ouais, non mais ça a l'air d'être... C'était ça un peu le personnage, mais... Là-bas, il y a quelqu'un. Regardez. Ah, putain, il est parti. Putain. Mais on l'a vraiment vu... Enfin, une capture vidéo, je vous montrerai après si j'y pense. On a vraiment vu quelqu'un passer. Le problème, c'est que là, je suis quand même... Ouais, je suis quand même bien à découvert, mais est-ce que quelqu'un s'est déjà joué à ce jeu ou pas? Bon, écoutez, on va descendre de la maison. Enfin, on va sortir de la maison, pardon. Allez, je saute par là, je m'en fiche. Aïe. Ah oui, non, ok, j'ai perdu de la vie, super. Bon. C'est pas grave. Je vais essayer d'aller par là-bas, vu qu'il y avait des mecs. En fait, j'ai envie de faire le malin et d'aller me confronter. Mais le problème, c'est que je vais encore perdre comme une vieille chiasse. Mais attendez, je vais sniper en plus dans les mains là. Les véhicules, tu peux les prendre? Aucune idée. Alors j'ai étrangement de l'essence. Pourquoi je peux pas reprendre mon autre arme? Et bah alors?
Non, mais ta gueule, mais il est fou lui. Comment je change d'arme? Non, je vais pas sauter, putain, c'est pas possible. Eh mais attendez, j'ai plus mon fusil d'assaut. Ah ok, c'est comme ça qu'il faut faire. Oh, c'est compliqué, dis donc. Bon, du coup, est-ce qu'il y a quelqu'un ou pas? Je pense qu'à mon avis, s'il y a des véhicules possibles qu'on peut prendre, ce serait des véhicules bien particuliers. Ah bah typiquement comme ça là. Ah non, non, tu vois, on peut pas le prendre. On peut juste prendre ce qu'il y a dedans. Dommage. J'avais fait comment pour changer d'arme déjà? Comme ça. Non, j'avais pas cette arme du coup. Putain, je croyais que c'était quelqu'un, mais c'est un mannequin. J'allais dire, mais qu'est-ce qu'il fait là? J'aurais pu le tuer tranquillou, hein, du coup, mais bon. Pas de drift. Eh non, pas pour l'instant en tout cas. Mais c'est vrai que c'est bizarre l'essence. Alors ça, c'est une ressource toute simple hein, pour l'abri, comme le reste. Soit effectivement, il y a des véhicules qu'on peut prendre, mais maintenant, faut les trouver, quoi, du coup, les véhicules. Et après, la question que je me pose aussi, c'est est-ce que c'est possible que je sois tout seul? Bon, alors du coup, non, on avait un mec tout à l'heure, mais est-ce que potentiellement, on peut être seul sur une carte, ou est-ce qu'on est forcément à 12 joueurs? Ou à enfin, à maximum 12, est-ce qu'on est forcément à 2 joueurs, je veux dire, au moins? Ça, je sais pas du tout. J'ai rien creusé. J'ai rien tué quelqu'un, quand même, avant la fin du live, ce serait cool. Le poste radio pour modifier la zone de lagage. Qu'est-ce que le poste radio, déjà? Je sais même pas où est son poste radio dont elle parle. Ah, j'entends un truc. Ça doit être par ici du coup, je suppose. Ça, c'est typiquement le truc où il y a des mecs qui vont me tomber dessus, c'est sûr. Y'a personne ici? Non, ça va. Ok, donc c'est ça du coup. Elle est où la carte déjà? Mais je suis extrêmement loin de ce truc, c'est pas possible. Oh là! J'ai entendu quelqu'un, non? Salut Vince, t'as dit que t'as pas pu t'inscrire. Si tu as Twitter, suis-nous sur Twitter. Je vais lancer un concours tout à l'heure, un petit concours express d'une journée là. J'ai une clé à faire gagner. Une clé pour la bêta. Donc let's go. Si tu veux. Ta clé pour la bêta. Putain, je suis en train de me tuer comme un con. Est-ce que j'ai de la... Ouais, j'ai ça. Ah ok, c'est cool, j'ai ça. Ça va me redonner un petit peu de vie. Ah ok. Ouais, ouais, ça c'est chaud du cul. Hein. Si jamais j'arrive à choper le truc... ouais, je vais clairement devoir courir, ça va pas être rigolo. Ah putain, faut que j'aille super loin en plus. C'est extrêmement loin ce truc. Oh là! Ah, il est en train de larguer. Ah putain, il est en train de larguer déjà. Waouh! Et bah là, ça va être la guerre, mes amis. Hein. Ah bah déjà, si je peux passer, ce serait mieux. Hop là! Il y a un mec. Ok, il est juste ici. Il m'a pas touché, mais il y a un mec derrière lui. Qui possiblement peut le tuer. Où est-ce qu'il est? Ok, il y a un mec ici, je l'ai vu. Non mais attendez, c'est quoi ce viseur de merde là? Putain! Mais regardez, on dirait qu'il est invisible le mec, tellement c'est pas beau. Qu'est-ce qu'il fait? Il va revenir ici ou pas? Je sais pas ce qu'il fait en fait. Ah putain, il est là. Oh, je l'ai eu. Oh putain. Eh, écoutez, j'ai eu au moins un mec. Et j'en suis plutôt content. Eh ben. Eh, ça mérite un petit drift ça. Merci. Oh, il avait plein de trucs. Tout prendre. Vas-y, comment on fait pour tout prendre? Ok, j'ai pris au max.
Il faut que je me cache et je vais rentrer. Je vais clairement rentrer. Où est-ce que je suis? Le plus proche, c'est ici. Placer marqueur. Et je vais clairement courir pour rentrer. Quand même avec une arme dans la main. Faut pas déconner. Si possible, une arme au corps à corps. Enfin, plus proche en tout cas. Où est la sortie? Où est la sortie? Où est la sortie? Laissez-moi partir, s'il vous plaît. Ah, j'ai plus d'endurance. Ok, c'est bon. Ah, j'ai plus d'endurance. Ah, il y a un mec qui a le colis. Ah putain, il est par là-bas. Non, vas-y mec, si tu... vas-y, non, t'inquiète, je vais pas te le prendre ton colis, casse-toi. Mais comment on part d'ici? C'est pas possible. Ah, il est là le truc. Je pense que ce qu'il veut, c'est partir aussi. Alors si on se croise, il va essayer de me buter alors que moi, je veux juste partir aussi. C'est par ici? Comment on y va? Ok, c'est par ici. J'espère qu'on va pas me tirer dessus d'ici. Ouais. Eh, ça y est, j'ai tué quelqu'un, je suis content. Je comprends pas les tâches. Alors attendez, je vais reprendre depuis le début, pardon. Vince, alors première impression. Bah écoute, le jeu a l'air fluide. Pas beau, mais fluide. Du coup, bah ça m'a l'air... ouais, on va voir. On va voir au fur et à mesure de la bêta comment ça avance. Enfin, après la bêta plutôt. Au fur et à mesure du développement, voir s'il rend plus beau. Pour l'instant, ça a l'air fluide. L'idée a l'air vachement cool. Maintenant, bon, bah, dans le gameplay, je suis pas un pro sur le jeu, donc je saurais pas dire si c'est bien, vraiment ou pas. Je crois pas à tâche noire au milieu du viseur. Et bah, en fait, c'est le viseur, justement. Je pige pas trop pourquoi c'est comme ça. GG champion. Et bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Du coup, j'ai récupéré des choses qui vont me servir à je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que je peux faire avec tout ça? Je suis niveau 4. Alors, moi, je suis niveau 4. Mais qu'est-ce que je peux faire avec mes niveaux, du coup? Je sais même pas ce que je peux faire. Ah, niveau 4, attends. Ah oui, non, c'est le niveau... C'est le niveau du truc ou pas? Oui, si, c'est ce niveau-là, ok. Mais je veux pas, moi. Qu'est-ce qu'ils me disent, là? Ah oui, niveau sup, ok, d'accord. Non, donc, j'ai gagné tout ça, d'accord, ok. Ça, c'est... Caisse peu ordinaire. Donc, elle doit être ici, alors, ma caisse. Ok, c'est ça. Maintenir pour ouvrir... Matériaux, sac à dos monosangle et couleur blanc de neige. Ok, on va ouvrir la caisse ordinaire. Oh bah j'ai même pas regardé ce que j'avais dedans. Ok, super. Ça alors du coup je sais plus comment... Ah, niveau de poste, ok, faut l'augmenter. Construire, ok. C'est tout, je peux pas l'augmenter plus. Ah d'accord, table de fabrication niveau 2 de livraison dans 10 minutes. Ah ça c'est très jeu mobile, j'aime pas trop ce principe, mais bon. C'est pas trop grave. Et puis c'est tout, hein. Je peux peut-être ouais, fabriquer ça, ok cool. Voilà. Ah. Ah. J'espère que ça va quand même sauvegarder mes trucs, parce que bon, j'ai tué un mec. Ce serait bien de pouvoir garder mon kill, quoi. Bon, bah j'espère que ça va quand même marcher. Si ça ne va pas se reconnecter, je pense qu'on va arrêter là. Ah si, ça s'est reconnecté, nickel. Est-ce que j'ai gardé tous mes trucs du coup? Parce que bon... Qu'est-ce que j'avais fait? J'ai déjà oublié. Niveau 5. Ah bah je suis niveau 5 en plus, j'ai gagné un niveau. Bon, tant mieux j'ai envie de dire. Hein. Ah cool, l'arbalète. Alors c'est le plan ou pas? Ah clairement l'arbalète, moi je la veux. Même si je vais pas réussir à jouer avec, je la veux. Arbalète, elle est où? Arbalète, trop bien, l'arbalète. Je prends ça, allez, à la place du sniper, c'est pas grave. Ah, mais tout à l'heure, j'ai tué le mec avec mon sniper. Bon, c'est pas grave, on va quand même tenter l'arbalète. Les munitions, c'est... carreau, ouais. On va en fabriquer. Allez. Ah, j'en ai pris vraiment... Attendez, j'ai fait quoi? Carreau, j'en ai 20. J'ai pas fait plus que ça, là, à l'instant? Ah non, d'accord, ok, j'ai pas pris tout mon stock, ok. On va ranger les trucs de sniper, du coup, on va ranger aussi des munitions. J'ai fait une connerie, c'est ça que je voulais faire. On va prendre deux stacks de munitions comme ça avec nous. Et les carreaux, on va pas prendre trop non plus. Ça, c'est... Ok, ça, c'est pour le pistolet, on va quand même les garder.
Non, attendez, c'est pas pour le pistolet, ça, si? Non, ça sert à rien, ça, en fait. Ça, je m'en sers pas pour l'instant. Ok. Bon, on va réessayer une petite mission. Je voulais faire en équipe, mais du coup, bon, bah, le mec qui voulait jouer tout à l'heure avec moi, il est plus là. Prendre récompense. Ok, cool, merci. Comment tu as autant d'armes? J'ai rien, moi. Bah, écoute, j'ai découvert ça un peu grâce à... Il est plus là, d'ailleurs. Grâce à un viewer de tout à l'heure. Tu vas juste en fait dans le truc de craft et en fait on a en bas. J'en avais plein aussi au début sans même y avoir joué. Hein. Le sniper et tout, je l'avais déjà dès le départ. Ah, je te shoot, voilà, tu es là. C'est je te shoot qui m'avait expliqué. Et en fait, on a déjà de base des armes sans devoir les crafter. Alors je sais pas si c'est grâce au fait que la bêta, comment dire, on avance plus vite, etc. Mais en tout cas, bon, voilà. Alors on va essayer de retrouver une partie. Dans tous les cas, ça va être la dernière. Hop. Dans tous les cas, ça va être la dernière partie, je pense. Hop, faut que j'écrive des trucs sur Switch Actu après en plus. J'ai des tests à écrire. J'ai trois tests, enfin deux tests à écrire et possiblement un article sur ce jeu-là, mais il faudrait que j'y joue plus. Et voilà, ça me stresse vraiment ce genre de jeu. C'est con, hein. Je vous jure que c'est con, mais ça me stresse. Ce sera plus facile mercredi avec Romain quand on jouera en équipe. Préparation du serveur. Bon là ils ont déjà commencé peut-être à stabiliser un peu leur serveur. Ce sera déjà mieux que tout à l'heure. Fiel Canton. Je sais pas si je prononce bien mais bon. Est-ce qu'on va arriver à Kattegat? Je ne sais pas. Petite ref. Pour les connaisseurs de Vikings. Allez c'est cadeau, les mods. Allez voilà. Ça te dit une game ensemble? Ah bah du coup trop tard. Quand je viens de lancer le truc. Je vais prendre toujours l'assurance moi parce que j'ai toujours peur de perdre mes trucs en fait. Ils sont chauds les mecs hein. Ah on voit les armes des gens. Mais en fait je suis le seul à avoir des armes. C'est-à-dire que moi j'ai A74K, arbalète et tout. Eux ils ont que dalle. Ah lui il a des... Si lui il a quand même des armes. Silver Pigeon, ok ça va. C'est fou quand même. Pom 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 pom. Alors, hop, je remets juste ça. Voilà. Allez, ça va être parti. Alors, je suis où sur la carte là? Je me vois pas. Ok, je suis en haut. Set yourself a simple goal. Focus on it, je suis en haut et dans le mauvais sens en plus, ça va être mal. Fallait par là du coup, ok. Ah, je vais essayer du coup l'arbalète. Wouah, j'espère qu'elle fait des dégâts de ouf par contre. Il y a intérêt parce que vu le temps qu'il faut pour la recharger, j'espère qu'elle fait des gros dégâts. Ah, il y a un avion à crasher ici carrément. Je reçois des notifs. X. Ok, et on voit des nuages, c'est impressionnant. Salut Roms 2332. Tiens pour toi, un coup de motte. Hop. Alors ça... C'est quoi ça? Ah non, c'est juste, ça m'a dit que j'ai exploré l'épave. On dirait le début de The Forest, une épave pareil, ça me fait penser à ça. On peut pas aller dans l'épave, hein, du coup, malheureusement, il y a quand même des trucs à côté. Hop. Je surkiffe cette émote, moi aussi, je la surkiffe, c'est notre première émote, mon gars. Hop, alors. Faut absolument pas qu'il y ait un mec ici parce que il va clairement me voir. Si je suis un peu en hauteur, il y aura bien plus de facilité. Coffre-fort en cours d'ouverture. Je sais pas ce que c'est les coffres-forts encore. C'est un mec, je suppose, qui est en train d'ouvrir un truc. Mais où, quand, comment, on n'en sait rien du tout. Ah putain, il y a un mec juste ici. Je l'ai pas du tout vu. Yes. Il m'a vu, je l'ai vu, donc là, bon bah... En fait, je savais pas si ça... Ah non, ça va pas droit ce truc. On peut trouver des armes ou des munitions dans la maison. Oui, tout à l'heure, j'ai trouvé armes et munitions. C'était juste pas dans cette game-là, mais j'avais tout trouvé, donc... salut à toi. Mais Roms, t'étais même pas encore abonné. Ah, tu t'es abonné. Ah, yes, super. Bravo pour le sub. Merci à toi, Roms, pour ton sub. N'hésitez pas à tous et toutes faire exactement comme lui. Bon, écoutez, j'arrive pas à le toucher. Donc ça sert à rien. On va faire ça plutôt comme ça. Si j'y arrive hein. Mais pourquoi j'arrive pas à le toucher?
Ah, voilà. Je l'ai eu ou pas? C'est pas écrit en fait si je l'ai eu. On va garder un oeil sur le... sur cette zone un petit peu. Je sais pas trop si il est en train de bouger ou pas en fait. Comment je montre mon labo à tout le monde? J'ai mis des petits badges normalement Switch Actu, mais je pense qu'ils sont pas encore disponibles. Malheureusement. Ah putain, le salopard! Ok, c'est bon, je l'ai eu. Et il m'a fait flipper par contre. Hein. Ok, je vais tout prendre. Par contre, du coup, j'entends des tirs au loin. J'espère que personne m'a capté. Ah, il y a un mec juste là. Putain. Ah! Ah! Mais non, je vais pas mourir du coup, moi. Je voulais tuer à l'arbalète, mais ça va être chaud du cul par contre. Ah, je l'ai pas eu. Non, mais je vais mourir. Ah, j'ai une flèche qui a bugué par contre. J'ai pas ma vie par contre, je sais pas où je vois ma vie. Ah, punaise! Ah, bah oui, non, mais je suis mort forcément. Forcément. Il y a encore le truc d'abonné qui s'affiche, je suis désolé. Et c'est toujours bugué ce machin. Dès que quelqu'un s'abonne, ça reste pendant une demi-heure. Ah, bah ça y est, c'est reparti. Ouais, bon, bah c'était sûr que j'allais mourir, mais bon. Je voulais juste voir si je pouvais le tuer à l'arbalète, tant pis. Tant pis, tant pis. Par contre, du coup, je sais pas si je garde tout. Je pense pas garder mes affaires, du coup. Parce que j'ai quand même pris l'assurance, mais est-ce que je garde ce que j'ai emmené avec moi ou est-ce que je garde aussi ce que j'ai récupéré? On va regarder. Équipement récupéré grâce à l'assurance. Non, non, je récupère les trucs en plus, ok, cool. Les ressources, je les ai récupérées en plus. C'est cool. Par contre, ça va coûter cher l'assurance. 60 pièces à chaque fois, ça va coûter très très cher. Je pense que, à mon avis, à un moment donné, il va falloir faire des games sans quasiment sans rien, en partant sans munitions. Parce que bon. Bon, écoutez, est-ce qu'on arrête là ou est-ce que... S'il y a au moins 1000 personnes qui sont sur le live... Non, je déconne quand même, faut pas déconner. Je sais pas si je continue à jouer ou pas, je vous avoue. Je sais pas trop. Je ne sais pas trop, je ne sais pas trop. Alors, est-ce que je peux améliorer des trucs encore? C'est pas encore fini, ça? Ah bah attendez, c'est dans 48 secondes. On va attendre. Les couronnes, je sais pas comment on les gagne, du coup. Je pense que ça s'achète, hein. Bon, là, je peux pas les acheter, du coup, on est en bêta, mais je suppose que ça s'achète. Et ça se gagne aussi, ok, d'accord. Ouais, mais ça m'a l'air quand même relativement rare, les couronnes. Ok. Ouais, c'est ça. Si j'essaie de sélectionner ça, ça me dit... J'ai pas assez de couronnes. Oui, c'est ça. Ok, donc on est censé gagner des couronnes. Ça va être cool à deux mercredis. Oui, en vrai, j'ai hâte qu'on joue à deux parce qu'on peut jouer justement en équipe, donc c'est cool. Puis je pense que d'ici ce jour-là, ils auront un peu stabilisé les serveurs. Regarde, il y a un mode en équipe. Voilà, en équipe. Alors par contre, je sais pas comment on fait pour jouer avec ses amis. Ah ouais, ça, je sais pas en fait comment on fait pour jouer avec ses amis. Je sais pas si c'est possible. Ça, c'est un peu con, effectivement. Avec un exilé aléatoire. Ah ça, par contre, c'est pas ouf. Ah merde, c'est un peu con. Ouais, c'est pas ouf du tout. C'est dommage. Bon, on verra bien. On verra bien comment ça se passera mercredi, du coup. Hein. Peut-être qu'ils vont faire une mise à jour, je sais pas. J'aimerais bien qu'ils fassent une mise à jour pour qu'on puisse jouer ensemble, parce que c'est un peu bête. C'est un peu bête. Alors, du coup, qu'est-ce que j'ai amélioré? Ça, c'est quoi? Bio, produit des matériaux. Ok. Et bah, c'est parti, hein. Instruction, hein. Ok. Ça c'est quoi? Pourquoi? Qu'est-ce que je dois... Ah non, c'est pour améliorer le niveau. C'est pareil, l'arbalète, je peux pas améliorer le niveau de l'arbalète là pour la rendre un peu mieux quand même. Qu'est-ce que ça... Je sais même pas ce que ça me fait exactement. Non, je peux pas l'améliorer encore, ok. Par contre, le AK-47 mon cul là, hop, le AK-74, pareil, je peux pas. Et le gun que j'ai, qui est le... Bah, il est où mon gun? Le magnum de combat, où est-ce qu'il est mon magnum? C'est pareil, pourquoi est-ce que j'ai deux guns? Je pourrais... Je suis bête, moi je pourrais prendre mieux que ça. Alors le magnum, je sais pas où il est par contre. Hein. Sais-tu comment on vise en FPS? Oui, il faut appuyer sur le joystick droit. Ça va te faire une vue FPS. Qu'est-ce que je peux prendre à la place de tout ça? Bah je vais prendre aussi le sniper du coup. Ah non, je peux pas avoir deux grosses armes. Ok, c'est pour ça. Ok. Ouais, non, donc je peux pas. Dommage. De rien. Et salut au fait, je sais pas si t'étais déjà là tout à l'heure.
Aucune idée de comment je peux améliorer ça. Le magnum de combat, je le trouve pas dans la liste. À moins que je sois bigleux, hein, mais... Ah mais il est là, je suis con, putain, voilà, il est juste ici. Et je peux pas l'améliorer, ok, d'accord, c'est ce que je cherchais. Ok. Non, bah tant pis. Bon, bah écoutez. Je vais vous dire au revoir. C'est vraiment dommage, par contre, parce que j'aurais vraiment voulu qu'on joue en... Ah, je sais pas s'il est encore là, Romain. Mais qu'on joue avec Romain tous les deux, mercredi. Mais... Oui, merci. Mais il y a pas l'air de pouvoir jouer ensemble. C'est avec un exilé aléatoire. Et ça, c'est bien chiant. Ça, c'est vraiment... Ils auraient pu quand même se dire, bon, bah, on va tenter quand même de faire jouer les gens ensemble. Mais bon. Bon, on verra bien, hein. On verra bien comment ça se passe. Dans tous les cas, mercredi, le live, ça sera à nouveau ce jeu, je pense. Ça se trouve, dans le week-end, j'aurai envie de jouer. On jouera, hein, on verra bien. Mais voilà, bref, je vous dis à bientôt tout le monde. Merci d'être venu. Au pire, on fera moitié-moitié sur le jeudi. Alors, oui, aussi, possible, pourquoi pas. Merci à tout le monde d'être venu. On a eu pas mal de follow cet après-midi. Alors, je veux dire merci à tout le monde. Merci à Eros. Merci à Je te shoot. Merci à Hyde. Merci à Mick78. Merci à QC Sniper Scar. Merci à Johan Santos. Merci à FRTunes. Merci à Julien Lekelec. Merci à Xou. Je t'avais pas dit bon, merci Xou, excuse-moi. Je pense que j'avais oublié. Salut, merci à Roms qui s'est aussi sub. Bisous Detective Chania, bisous FRTunes, bisous Roms. Et bisous Xorb du 80. Bisous tout le monde aussi, je te shoot, je pense que tu es peut-être encore là derrière. A bientôt, merci beaucoup tout le monde. On se dit peut-être à ce week-end et sur un mercredi. Ciao.